fait longtemps que je veux juste rapper pour rapper. Dans la place, j'enchaînais les phrases, les phases. Et dans l'idée de me prouver que je pouvais me placer à côté d'un digne d'un alpha, mais y'avait un large fossé. J'étais même pas né que le rap coulait déjà dans leurs veines. Comparé à des trentenaires à 16 piges. Non seulement c'est toxique, mais quand ils pensent, ton but c'est pas d'être meilleur ou juste de devenir. Pareil que tes rappeurs prêts, c'est juste de faire briller ton style au milieu de l'industrie. Certains fils d'up font de la scène pour les billets, finissent par réussir pendant que ceux qui se butent à la tâche n'obtiennent que le savoir-faire et l'objectif. Ceux qui maillent savent même pas vers où ils se dirigent. Ceux qui maillent sont choisis de partir par pur ego. Ils sont vus pâlir devant mon niveau. Et les six à force de vouloir prouver que j'existe, même à travers les stats négatives. J'ai pris l'habitude d'écrire des classiques, de toujours aller au-dessus de mon esprit. Comme invincible, je me suis vu me taper contre mille fois plus fort. Et dans la défaite et les blessures, je me suis refait, j'ai appris. Je suis devenu invincible depuis que je suis revenu à la surface. Je reclasse beaucoup de mes anciennes idoles. J'ai le one shot, j'ai les one punch, j'ai les rimes, j'ai le flow pour les mettre à terre en 3-4 vers. Me demande pas si je le ferai, parce qu'aujourd'hui j'ai changé. J'ai compris pourquoi le couplet de Kendrick dans Control était si important, autant pour l'industrie que pour le sport. Oui, on est potes, mais si tout le monde est pote, y'a pas de rivalité, y'a un qui pousse à devenir plus fort. Y'a pas de croco, y'a pas de place pour ce que l'hip-hop prenait dès le début. Y'en a que pour ceux qui prennent la place des autres, genre Drake, Playboy, Carty. Dans mon quartier, y'a personne qui me clash, personne qui me cala. Envie de m'écarter, de prendre la porte, car le tiercar n'est pas une place où faut se sculpter dans la roche, dans la glace. Pour se faire une place au sommet comme les Kage. Et si ce que les gens montrent, c'est qu'un désir de confort, ils ont peur de tout perdre en se glissant hors de la boucle. Mettre au boulot dodo, je préfère crever plutôt que d'arrêter d'essayer, plutôt que de faire comme les autres et de vivre dans le déni. Fais 5 piges que la passion tient en vire. Tire-moi la zik et tu me verras plus car disparu sous les entrailles de la terre. Même la daronne essayait de me faire taire. Pourtant j'ai pas stoppé les textes. Je continuerai de poser même si le monde entier essaierait de m'en dissuader. J'en ai rien à foutre. Ce qui brûle dans mon cœur, c'est de la passion pure, c'est du peur à brut. Alors comment putain de bras si un jour je lâche la zik. Yo, yeah. Allez, 6.